Amis des couteaux, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais visiter le club des lanceurs des faisans en Ile-de-France dans le 94 à Villeneuve-le-Roi. Les lanceurs de faisans, tu m'avais dit 2010, 2009 ? Quelle année on a commencé ? Il y a une dizaine d'années. Premier club reconnu en France. Ah, il y a de l'histoire ici, hein, attention. La première fois que je les ai rencontrés, c'était il y a un an. Ça faisait 2 mois que je faisais du couteau. Ils m'ont accueilli. Bonjour. Ils ont été super sympas. J'avais même pas encore de vrai couteau de lancer. Et j'ai découvert cet endroit. Mais là, c'est mieux qu'Euro Disney. Là. Il y a tout ce qu'il faut pour préparer de la compétition. C'était juste un terrain. Ils ont tout construit. Longue distance. C'est un peu bas, hein, faut monter un peu. Silhouette. Ça paraissait super facile dans les vidéos des championnats de France. Tricastel. Triskel, c'est ça ? Triskel, c'est ça. Ok. Merci. Club House. Génial. Et une magnifique aire de lancer. Avec une partie couverte. Le top. Bon, il est temps de faire chanter les couteaux. Au top, au top. Hey, regardez le top, on est dans ce sens là. Oh, merci Roland. Merci Roland pour ton accueil. Merci. N'importe quoi. Merci Madame Roland. Ah ouais, sinon alors tu connais Baptiste, ouais. Batista, ouais, Batista Fly, non, Batista, Batista Fly, un mec avec c'est ça, une grosse barbe, etc. Ouais, ça y est, je vois, putain,
L'enfoiré. Ah ouais, mais je te jure, putain, il doit être d'atune ce mec-là. Ah ouais. Ah ouais, mais putain, grave. Ouais, mais moi, là, en fait, je le connais pas si bien. Non, je le connais pas si bien, en fait, je l'ai vu vite fait, quoi. Putain. Désolé. Ah, bisous, Baptisto. C'est bon, on sait que tu dois pas de thune à... À Laurent. À Laurent.